I know that you with it, that you with it. I'm really tryna feel it. Ooh, it's more than I like. And now, oh damn, yeah, yeah, yeah. Guess who's back? Salut. Bonjour, bonsoir. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bon, comme tu l'as entendu, on se retrouve pour Mego. Ive. Narcissist, I gotta love it. Comeback fracassant de mes filles avec le nouvel album, n'importe quoi. Leur premier album qui s'appelle donc I Have Hive avec en title track I Am, qui est un bop au passage, merci bien. Sur la chaîne, il y a déjà les réactions de Kitsch et I Am. Donc, vous pouvez aller voir. Donc moi je vais réagir, je vais pas réagir à Kitsch parce que j'ai déjà tout regardé, que ça soit les lives de Kitsch, etc. et tout. Mais j'ai pas vu le live, It's Live de I Am. Donc ça je vais regarder. Ok. On va voir ça tout de suite. Donc premier titre, Blue Blood. C'est parti. Ok. Ok. Ma fille. Hey. Oh. Hey. On est arrivé jusqu'à là-bas. Ok, j'aime bien. Ah mais attends, Eugene et Wunyoung, elles étaient dans iZone, c'est ça? Non, j'aime bien la petite vibe orientale là. On aime. Vraiment, Ive, c'est vraiment des pretty girls, genre vraiment. Elles sont pas autant genre en mode on est trop belles, on dead ça et puis voilà quoi. Si t'es pas content, c'est pas notre problème. Oh, j'aime trop. Franchement, ça donne bien l'eau à la bouche là pour l'album. On démarre bien, on a un bon démarrage là, j'aime bien, j'aime beaucoup. Là, on va passer au live de I Am sur It's Live. Donc c'est parti. Na 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 big big stage. Mes filles, elles sont trop mignonnes. Ah, il manque pas une fille. Il manque une fille là. Non. Oh.
네, 저희 IM이라는 곡은요, 자신의 가는 길에 확신을 가지고 주체적인 삶의 태도를 가지자는 메시지를 담았습니다. 왜? 자, 우리 멤버들 준비됐나요? 됐습니다. 네. 자, 가보자고. Yes, 정답. I am. Yes, I am. Yes, I Oh. am. Let's go. C'était incroyable. Incroyable. Et ça, vraiment, c'est la meilleure réponse à tous les gens qui disent oui, mais en gros, c'est juste des pretty face, tout ça. Non, non, non. Mes filles sont talentueuses. Arrêtez ça. Merci bien. Bon. Trop mims. Et puis, là, j'aime bien leur tenue, là. C'est trop mims. Sont trop belles. 좋습니다. 즐겁게. 즐겁게. 즐겁게 편하게 괜찮아요. 미라. I am으로 돌아오면 I know that's right. 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
Bravo. Le prochain son s'appelle Lips. C'est parti. Genre là, la chose c'est en mode on se drague, genre. Ok. C'est pas possible, je les aime vraiment. Enfin, j'aime bien le fait que comment dire, ça fait c'est très paillette, très c'est moi, vous voyez, genre en mode I'm that girl. J'aime beaucoup cette énergie qu'elle dégage en fait. Ce groupe, j'aime trop cette énergie là en fait. Le prochain son s'appelle Héroïne, c'est parti. J'aime beaucoup comment elle est entrée. J'aime beaucoup comment elle est entrée. Lise, j'aime beaucoup. Go girl.
Ça, le son, il me donne une vibe de Red Velvet. Non, pas vous. Ça me donne une vibe de Red Velvet un peu. Ouais. C'est... Je viens d'y penser en fait. Que ça depuis tout à l'heure là. My god. Est-ce que c'est bien? Normalement c'est bon là. Je fais que régler la caméra. Et j'en peux plus. Bon. Sa voix à Alice, j'aime beaucoup la voix à Alice. Dans la tête en fait.
sure 근데 널 보면 달콤한 꿈 꾸는 어린 아이처럼 No, no doubt in my mind 이 Ray 역시 재미있어 Le son, j'ai bien aimé. C'est vraiment le son. Voilà, t'as ton crush en mode. Tu vois, à l'école et tout, au travail, t'es en mode. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour croiser mon crush? ça donne vraiment cette vibe-là, mais j'aime bien. C'est léger, c'est mimes, quoi. J'aime bien. J'aime bien. Hypnosis. C'est parti. Hypnosis. Je sais pas comment on prononce. 집중해 눈 감고 다음 순간 머릿속을 맴도는 merry-go-round Wait, c'est un son pour la chata? Attendez, quoi? Okay. Oh. Ah, j'aime trop. Ok, donc là son crush, là il a fait n'importe quoi, donc elle aime plus genre. Ok. Wow. J'arrive à ralentir un peu. C'est fini. Attendez. Ouais, c'est vraiment fini. Ok. Mais ça? Oh. Ce son? Pépite. Jusque-là, c'est parfait. Je suis pas déçue, quoi. Je suis vraiment pas déçue. Après, ils ont toujours eu des très bons sons, que des bops jusque-là. Il n'y a pas un son que j'aime pas, en fait, tel. Donc, cet album, j'étais en mode, mais en fait... Ça va être facile, je vais tout aimer. Là, et là, franchement, on arrive bientôt à la moitié. Je sais même pas si on est déjà à la moitié. Mais j'aime beaucoup. J'aime. Not Your Girl, c'est parti. Mais attendez. Ça sonne pas comme
I'm on the floor. Ah, ah, Starships. Le début de Starship. Non? Ou c'est moi? Non, peut-être non. Non. C'est parti! Ok, donc là, si j'ai compris, avec son gars, c'est fini. Et maintenant, ça m'est. C'est en mode, girls, just wanna have fun, genre en mode... C'est très summer, très été ce son. Ce rap là, là, bon, il est bien, mais il faut innover un petit peu. Ce son, il pourrait très bien aller avec le son, avec le film Barbie en fait. Ouais. Ce son, il irait très bien dans le film Barbie. Je vois trop dans le film Barbie ça. Ouais. Il y a une vibe colorée à la musique. Je sais pas comment vous dire. Genre le son, il a l'air coloré. Je sais pas, enfin bon. Et très bright, voilà. Donc c'est un son qui pourrait être très bien aller avec le film Barbie. Donc j'attends vos édits du film Barbie avec ce son. Merci. Le son suivant s'appelle Next Page. Donc ça veut dire qu'elle a tourné la page, hein. Oh!
Ok, donc en fait, là, son crush, peut-être il s'est rattrapé, ou elle a rencontré quelqu'un dans le son d'avant. J'essaie de faire une storyline en fait. J'ai fini aussi, direct. Ok. Je comprends la vibe là. Je comprends la vibe. Ah, il reste que deux sons déjà. C'est passé vite. Non. Déjà. Ah là là, c'est passé trop vite. L'avant-dernier son de l'album s'appelle Cherish. Cherish. C'est parti. Let's go. J'aime trop. C'est un bop. Je sais que c'est un bop. C'est magnifique. Oh mon Dieu. Mais là, attendez. Parce que je fais n'importe quoi là, mais la transition de Wunyang là à c'est qui après? Gaël. La transition de Wunyang à Gaël, elle est magnifique. Je sais pas si vous. Ah, j'arrive pas à parler français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la transition entre Wunyang et Gaël, là... Incroyable. Et là... Vous voyez ? Le son est magnifique. Je hurle.
Non, arrêtez, arrêtez. C'est trop magnifique. C'est trop magnifique. En fait, pourquoi ils n'ont pas promo de ce son, en fait? Pourquoi il n'y a pas de stage de ça? Où est le stage? Le live de Cherish? Où est le live de Cherish? Dites-moi. C'est pas possible. Les harmonies derrière. Par ce son toute l'année et les années à venir et les années à venir. C'est le coup de cœur en fait. Tout l'album est bon, vraiment. Tout l'album est bon, mais ce son, pardon, waouh. Genre, ça m'a donné des papillons dans le ventre, en fait. Genre, quoi? Genre, il y a une petite vibe nostalgique, un peu rétro, un peu pop. Oh, les harmonies, les transitions, les bacs. Tout est parfait dans ce son, c'est pas possible. Elles sont obligées. Je veux voir un live de ce son. Je veux voir un live de ce son. Aïe. Starship, écoutez-moi. Elles ont intérêt à faire ce son en live. Sinon, ça va barder, je vous dis. Quoi? On arrive au dernier son qui s'appelle Shine With Me. Franchement, là, je... Cherish. Coup de cœur, coup de cœur. Bon, Shine With Me, c'est parti. Let's go. Ok. C'est une chanson de break-up, quoi? Ils ont cassé? Le son, il me donne une vibe de Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, je pense que c'est elle. Ça me donne une vibe de Kelly Clarkson, un petit peu. La mélodie, comment c'est posé et tout. Ok, non, les producteurs, là, ils ont fait du taf, hein. Un bon taf. Oh, wow. I guess
와우. Franchement, elles ont dead. C'est incroyable. Quel album! Je suis choquée. Bon, on va commencer le classement directement. On commence. Première place, vous imaginez bien. Cherish. Il n'y a pas de discussion. Ne discutez même pas avec moi. Première place, Cherish, c'est tout. Waouh! Deuxième place. I am. Coup de cœur, j'aime trop. Donc deuxième place, I am. Troisième place, Shine With Me. Shine With Me, en fait, avec ça, t'entends vraiment les capacités vocales de chacune, en fait. Vu que c'est un son vraiment très émotionnel et tout. Donc on voit on entend leur capacité, on voit. Donc, troisième place, Shine With Me, parce que c'est incroyable. Merci beaucoup. Quatrième place, je vais mettre Kitsch et Not Your Girl. Parce que les deux sons, ils m'ambiancent trop. Kitsch. Cinquième place, Hypnosis et Lips. Sixième place, Next Page. Mais quoique Mine, j'ai beaucoup aimé aussi. Oh, je peux pas. Je peux pas mettre deux sons à chaque fois comme ça. Bon, par défaut, Mine en 7ème place. Mais c'est vraiment par défaut. Parce que vraiment tous les sons sont bons, quoi. Vraiment. Oh, j'allais oublier Blue Blood. Oh my god. Mais là, ça change tout. Quoique Blue Blood. Ouais, c'est une bonne chanson d'intro. Non, 8ème place, Blue Blood. Passons à la note. Une note pour cet album, je donnerais un bon 9,5 sur 10. Pourquoi ? Le rap de Ray, il est très bien, mais en général, je suis fatiguée d'entendre la même cadence des rappeurs en mode... vous voyez ? Cadence rappeur K-pop. Du rap K-pop parfois en mode haché, un peu trap façon là, vous voyez. Elle chante très bien,
Mais en rap, il y a un son où j'avais vu, enfin j'ai entendu le rap. Enfin, c'était un rap basique, standard, on va dire. Donc c'est pour ça que j'enlève le demi-point. Mais sinon, tout est parfait. Mes filles, elles ont d'être ça. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur premier album. Dites-moi votre top, top 5 de l'album. Quels sont vos goûts? On va voir, on va discuter, on va débattre. Ok. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner, abonnez-vous. Pas d'activer la cloche. A ding dong, petite notification, on vous voit. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, tout en barre d'infos. Et sur ce, on se retrouve à la thèse.